Carlo Ancelotti est exceptionnel. Vikash, vous avez été un joueur du PSG, vous voulez qu'il continue au PSG, mais pourquoi ? Pour Kylian Mbappé, pourquoi c'est bien de rester à Paris ? Déjà, l'idée de snober tous ces très grands clubs, alors que tout le monde s'y précipite pour aller gagner des titres, aller gagner peut-être le Ballon d'Or, je trouve ça assez rigolo. Je trouve que ce qu'il a fait d'écrire son histoire, de décider d'écrire son histoire avec le Paris Saint-Germain, de rester connecté à son pays aussi, d'origine, voilà, je suis français, je reste au Paris Saint-Germain, je joue en équipe de France, je trouve ça assez fort, et qu'il aille au bout de son idée, c'est-à-dire essayer de gagner la Ligue des Champions. Les très grands joueurs ont déjà gagné, le Real gagne tous les ans, il ne marquera pas l'histoire du Real en allant gagner avec le Real Madrid, il marquera l'histoire du Paris Saint-Germain en essayant de gagner, et le moment pour aller dans ces grands clubs sera toujours le bon moment, puisqu'il sera très fort tous les ans, et tous les ans, alors imaginons s'il prolonge trop là, trop il long, a 25 ans. Oui, mais moi je pense que s'il prolonge, il doit imposer quelque chose pour pouvoir partir tranquillement cette fois, si pendant un ou deux ans. Voilà, cette fois, il faut, si je pars dans deux ans libre, c'est pas en disant à tout le monde que je suis un mauvais garçon, que je respecte pas mon contrat. Ça n'existe pas, ça. Ah bah là, il va falloir que ce soit écrit, ce soit dit, ce soit annoncé avant. Oui. Si je pars dans deux ans, je peux partir librement et tranquillement. Et moi, je pense que ce qu'il fait, c'est extraordinaire. De rester en France alors que tous les joueurs, les meilleurs joueurs veulent partir, ouais, et de le faire ici, je trouve ça super. Mais Vikash, en tant que joueur, est-ce que vous pensez que le PSG et donc Kylian Mbappé sont des prétendants à la victoire finale ? Tout à l'heure, quand vous voyez les équipes qui étaient favorites, vous n'avez pas mis le PSG. C'est pas passé loin. Ils ont fait deux demi-finales plus une finale. Oui. C'est quand même pas passé très très loin. Là, il manque beaucoup de joueurs. Pour moi, cette année, ils vont pas gagner. Donc c'est dans 2-3 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut faire pour lui, en oui, c'est loin, je sais, mais je sais pas construire cette histoire avec le Paris Saint-Germain. Ouais, moi, c'est une histoire qui se réduit à la Ligue des Champions. S'il va à Liverpool, il va falloir qu'il court déjà. Est-ce qu'il est prêt à aller courir comme court Salah? S'il veut devenir le meilleur joueur du monde, ce serait bonne idée. Hein. Il n'est pas loin d'être le meilleur joueur du monde sans courir. Hein. Je ne comprends pas le propos de dire qu'il ne marquera pas l'histoire du Real. Il y a eu des airs au Real, il y a eu l'air de Figo, il y a eu l'air de Zidane, il y a eu l'air de Benzema, l'air de Ronaldo. Qu'il fasse au Real et pas au PSG. Pardon? Tu préfères qu'il marque l'histoire au Real et pas au PSG? Je préfère pas au PSG qu'au Real. Bien sûr que ce serait plus fort. Sauf qu'à mon avis, les probabilités sont plus fortes au Real. Et à un moment, il faut qu'il gagne le titre ultime. Pas tous en même temps. À Kevin Durant, là, qui est parti gagner le titre avec d'autres gars qui avaient déjà gagné. Moi, je vois aucune gloire à faire ça. Par contre, de le faire avec le Paris Saint-Germain. Il le fera s'il le fait au PSG. C'est extraordinaire. Il n'y arrive pas, ouais. Il le fera. Après, il ira plus tard, bien sûr, comme Kevin Durant, il l'a fait. Nous avons fait une petite parenthèse NBA avec donc Kevin Durant et les Golden State Warriors. Vous voulez, vous aussi, le voir rester au PSG. La question, c'est où voulez-vous voir Mbappé ? Oui, mais j'ai bien compris. Bah oui, donc c'est pas où on imagine que c'est le mieux pour lui. Ou est-ce que vous voulez voir Mbappé ? Nous, parce qu'on veut son bien. Donc si on veut son bien, on veut le mettre à l'endroit où c'est. Loïc, aujourd'hui, il a 25 ans. Ouais. Il n'a toujours pas, entre guillemets, de Ligue des Champions, toujours pas de Ballon d'Or, et lui, et c'est lui qui le dit, il est programmé pour écrire l'histoire, pour repousser les limites, pour gagner tous les titres possibles. Il est déjà en retard par rapport à certains. Oui, clairement, mais encore une fois, s'il gagne une Ligue des Champions avec le PSG, s'il n'en fait qu'une dans sa carrière, ou qu'il en gagne 3 ou 4 avec le Real, je pense pour que... Pour vous, c'est pareil. Et pour lui, c'est pareil aussi. Je pense qu'il est plus fort que d'en gagner qu'une avec le PSG, parce qu'il aura fait un truc qui n'existe pas. Et c'est ça, c'est oui, mais par rapport à son process, à sa façon de réfléchir, est-ce que pour lui, une Ligue des Champions avec process, le PSG, ou 4 ou 5 PSG, avec quelqu'un, il marquera plus l'histoire du foot et surtout du foot français, globalement de la France, en gagnant une Ligue des Champions au PSG? Et ça peut lui suffire, entre guillemets. Après, il faudra déjà qu'il soit meilleur qu'en phase de groupe cette saison. Et au bout d'un moment, ça part de là aussi. Ouais, ça, c'est autre chose, tu parles du niveau maintenant. Mais au bout d'un moment, où voulez-vous voir Mbappé? On est français, on a l'un des meilleurs joueurs du monde qui joue au Paris Saint-Germain, qui joue en Ligue 1. Mais est-ce qu'il gâche son talent, selon vous? Non. Est-ce que lui, il gâche sa carrière? Non, son talent, j'ai dit là, en restant à Paris. Il est au PSG. Mais t'as pas envie de le voir jouer des matchs de très haut niveau tous les week-ends? Alors que là, moi, par exemple, en janvier... Moi, tous les week-ends. Oui, mais c'est pour le voir jouer, mettre des triplés constamment. Moi, j'ai envie de le voir face à une adversité plus forte tous les week-ends. Et avec dans un championnat pour ça, t'as l'équipe de France, t'as la Ligue des Champions, ça va, il joue pas tous les week-ends contre des mecs... Mais c'est quand même dommage de voir un joueur de cette ampleur qui ne connaît jamais ce rythme-là, cette routine du très haut niveau. Non, justement, c'est pour ça que je pense à la Première Ligue. Anthony veut la Première Ligue. Voilà. La Première Ligue, oui, à la limite. Parce qu'il y a des matchs plus importants. Il est en retard en ayant marqué combien de fois en finale de Coupe du Monde, en ayant gagné une Coupe du Monde. Déjà, en plus. Il n'est pas très en retard. Non, mais là, on parle en club. C'est quand même marqué l'histoire du foot, c'est aussi ça. Nabil, vous êtes sur la même lignée que Timothée. Non, je suis sur la même lignée. Vous avez changé finalement. Vous êtes plus Madrid. J'ai Madrid sur ma feuille. J'ai changé, j'ai dit la Première Ligue. Vous finirez sur le banc, mais allez-y. Oui,
Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec, avec Anthony. Bon, alors, il faudra qu'ils fassent des sacrifices financiers, parce qu'il faut le dire à un moment. Je veux dire, Madrid et Liverpool, ils vont pas bousiller leur vestiaire. Ils n'ont pas le même salaire qu'à Paris. Ils vont pas bousiller. Parce que Mohamed Salah, par exemple, c'est un peu plus de 20 millions d'euros, quoi. OK, Mohamed Salah, c'est un demi-dieu à Liverpool. Si Mbappé, il arrive, on ne peut pas lui donner deux fois plus que Mohamed Salah. Parce que personne ne va comprendre. Mais Mohamed Salah, le premier. Bon, on ne va pas rentrer dans les trucs, les ingrédients de faisabilité. Parce que pour moi, en fait, là où il est, c'est là où il prendra le max. Et s'il veut partir, il faut qu'il fasse un sacrifice. Un sacrifice, mais aussi pour avoir un plus grand rayonnement sportif. Pourquoi ? Parce que pour moi, la Première Ligue, c'est la NBA. C'est des matchs de Ligue des Champions tous les week-ends. C'est s'étalonner contre les meilleurs. Mohamed Salah n'est pas resté en Égypte. Hein. Haaland, il n'a pas envie d'aller jouer en championnat de Norvège. Ils sont tous en Angleterre, les meilleurs. La Liga. Sportif, Nabil. C'est quoi le rayonnement sportif pour toi ? Pardon ? Le rayonnement sportif, c'est quoi pour toi ? Et aujourd'hui, la Première Ligue, c'est le championnat. Le monde. C'est le championnat le plus compétitif. Le coin, le. Tous, les gamins. Tous. C'est là. Oui, mais en France, mais moi, je te parle d'un rayonnement mondial. Le PSG, c'est mondial. La marque du PSG. Tout seul. Le PSG, c'est mondial. Alors, le PSG. Le PSG, non, lui, il y va tout seul à Tokyo parce qu'il a des marques. Non, mais les marques, là, on parle de footballeur. Non, mais je parle pas de. On parle d'un footballeur. Je parle pas de marketing parce que ensuite la Liga. Moi, j'avais pensé à Madrid. Mais quand vous réfléchissez, on veut pas qu'il soit une star. Il parle de rayonnement sportif. C'est pareil, c'est déjà une star. Je parle de rayonnement dans le monde. Non, mais c'est une star mondiale. Quand tous les week-ends. Non, mais qu'est-ce qui a fait la grandeur de Ronaldo et de Messi ? C'est l'affrontement tous les week-ends. C'est la dualité. Je suis désolé. Moi, j'adore la France. Je suis content. Je regarde la Liga même à 15h le dimanche. Mais il y a un moment, je suis désolé, quand je regarde ce week-end Liverpool hier contre, c'était quoi, Newcastle là ? Newcastle, oui. Quand tu vois l'intensité du match, tu vois pas ça en Ligue 1. Et moi, j'ai envie de le voir là. J'ai envie de le voir s'étalonner face aux meilleurs. Quant à la Liga et l'histoire de Madrid, aujourd'hui, et lui en position de force par rapport à eux. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que la Liga, même si elle place encore des clubs très loin en compétition européenne, elle est en déclin. L'attractivité, elle est moindre. Je pense que la Liga a plus besoin de lui que lui a besoin de la Liga. En revanche, la Première Ligue, qui est la crème de la crème, elle peut se passer sans problème d'Mbappé. Donc, aller en Première Ligue et devenir le numéro 1, ouais, moi, ça m'exciterait de le voir. C'est déjà beau d'être allé au PSG jusqu'à 25 ans, ce qui est déjà une exception, ce qui est déjà une anomalie. Mais voir le meilleur joueur du monde faire toute sa carrière dans le 5e championnat européen, et quand on dit 5e, on est parfois gentil, ce serait aussi une anomalie. On rappelle que donc Kylian Mbappé est un joueur libre de s'engager où il veut, mais il est évidemment toujours un joueur du PSG, au moins jusqu'à la fin de la saison. Et on a hâte de savoir ce qu'il décidera ou pas. En tout cas, sa première partie de saison, elle n'a pas été gênée par ça. Son choix de timing de communication sera extrêmement important pour la fin de saison du PSG, pour son euro à lui, pour sa tranquillité. À quel moment ce sera le moins dérangeant de le sortir ? Ça, c'est quand même assez intéressant. L'euro, c'est sûr déjà, je pense. Je pense qu'avant l'euro, déjà... Oui. A priori, pas pendant une conférence de presse de Didier Deschamps. Il n'aimerait pas. A priori, il y a beaucoup de monde qui dit que ça devrait être quand même pas trop tarder. Pas maintenant, mais que ça pas... Il ne peut pas dire qu'il part. S'il dit trop tôt qu'il part... S'il dit qu'il part, il peut pas partir en ayant la possibilité de jouer contre le Real, si c'est le Real, en Ligue des Champions. Mais on verra. Mais il faut déjà passer la Real Sociedad et il faut que le Real Madrid passe je ne sais plus qui. Une équipe. Qui joue. Une équipe, effectivement. Depuis le 1er janvier 2024, Kylian Mbappé est libre. Il est libre de s'engager avec le club qui l'intéresse, le club de son choix. Et beaucoup estiment qu'il doit rester au PSG. Il ne doit pas aller au Real de Madrid. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, depuis le 1er janvier 2024, Kylian Mbappé est libre. Il est libre de s'engager avec le club de son choix. Et beaucoup de journalistes, beaucoup de consultants, notamment Vikash Dorasso, estiment qu'il doit rester au PSG. Parce qu'il estime que si Kylian part au Real Madrid, ça ne va servir à rien de gagner une énième LDC au Real de Madrid, alors qu'il peut bien remporter sa première Ligue des Champions avec le PSG et entrer dans l'histoire avec le PSG. Sauf que c'est plus facile de remporter la LDC avec le Real de Madrid. C'est plus facile de remporter le Ballon d'Or avec le Real de Madrid. Donc, s'il décide de rester au PSG, il sait en quoi s'attendre. Il sait vraiment à quoi s'attendre parce qu'au PSG, c'est très compliqué de remporter la LDC avec le PSG. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas un bon effectif. Hein. Ils ont vraiment un effectif de qualité. C'est juste que l'ambiance a l'air de ne pas être bonne au PSG. Les conditions ne sont pas peut-être remplies
pour remporter une LDC avec le PSG. Kylian Mbappé, il a 25 ans. Il sait bien que c'est le tournant de sa carrière. C'est le tournant de sa carrière. S'il se loupe, il peut dire adieu au Real de Madrid. Si Kylian prolonge avec le PSG, il dit adieu au Real de Madrid. Pourquoi? Parce que s'il prolonge, il va prolonger au minimum 2 ans. Et s'il prolonge 2 ans, on sera a priori à 27 ans. Est-ce qu'à 27 ans, le Real de Madrid pourra encore se positionner sur Kylian? Je ne pense pas. Donc, ça sera vraiment le dernier choix pour Kylian. Si c'est Loubla, ça sera très compliqué pour lui. Très, très compliqué. Kylian Mbappé, il a vraiment intérêt à rester au PSG. Moi, je pense que Kylian lui-même ne sait même pas encore là où il va aller. Il ne sait pas dans combien. Beaucoup d'observateurs disent qu'il doit rester au PSG parce que le projet tourne autour de lui. Le PSG a construit, a bâti un projet autour de Kylian Mbappé. Pourquoi partir là où tu es heureux? Pourquoi partir là où on te donne quasiment tout ou presque? S'il part au Real Madrid, il sera en concurrence avec beaucoup de joueurs, notamment Jude Bellingham, notamment Vinicius, notamment les Modric. Donc, ça ne sera plus la star, il ne sera plus la star du Real Madrid. Il sera en concurrence avec beaucoup de joueurs. Et je ne pense pas que Kylian Mbappé aime cette atmosphère. C'est un mec qui aime être au centre du projet, qui aime être la star du club. S'il arrive au Real Madrid, il ne sera plus la star du club. Donc, ça, c'est vraiment un truc à prendre en ligne de compte. S'il n'est pas au Real Madrid, il ne sera plus la star du club. Certes, il a plus de chances de remporter la LDC au Real Madrid. Il a plus de chances de remporter le Ballon d'Or au Real Madrid. Mais il ne sera plus la star, au moins les premières années. Parce que dans le cœur des supporters, c'est Jude Bellingham. Jude Bellingham et rien que Jude Bellingham. Selon toi, est-ce que Kylian Mbappé doit rester au PSG, sachant que le PSG a tout bâti pour lui, a construit un projet autour de lui? Donne-moi ton avis en commentaire. En parlant du PSG, le PSG jouait le trophée des champions et là, Luis Enrique, il a remporté son premier titre avec le PSG. Même si dans la manière, ce n'était pas bon, puisque Toulouse a vraiment secoué le PSG. Beaucoup de personnes retiennent seulement le score que le PSG a gagné 2-0. Mais dans le contenu, Toulouse a vraiment bousculé le PSG. Ils ont bousculé le PSG. Toulouse a tiré 17 fois au but. 17 fois. Ça prouve une fois de plus que le PSG a un problème de défense. Le PSG concède beaucoup d'occasions. Même en 2024, Luis Enrique n'arrive pas à trouver la bonne formule pour solidifier sa défense. Il n'arrive pas à trouver la bonne formule. C'est inadmissible que Toulouse tire 17 fois pour City 4. City, les amis. Pendant ce temps, le PSG tire 14 fois pour City 4. Donc, il y a vraiment du boulot dans cette équipe du PSG. Il y a du boulot et Luis Enrique nous a annoncé qu'ils seront meilleurs en deuxième partie de saison. On continue d'attendre. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Donne-moi ton retour, commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.